Les cordées de la réussite existent depuis 2014 sur la cité scolaire Bertrand de Born. Elles sont destinées à accompagner des élèves préalablement identifiés de par des origines socio-culturelles, hein, quartier politique de la ville ou sur des situations de population rurale, afin de leur permettre de faciliter, je dirais, le projet d'intégrer des classes préparatoires et derrière d'accomplir effectivement des parcours post-bac vers des écoles d'ingénieurs ou de grandes écoles. On était en chimie, on a fait un titrage d'une solution donc à partir du déodorant et avec une solution de pH, du colorant, et on a titré avec du zinc pour pouvoir trouver la zone d'équilibre et la zone de virage de la solution qu'on avait préparée. Tout ça pour faire découvrir donc aux élèves de première de terminale un petit peu ce qu'on fait en chimie. Et voilà, je pense que c'est super intéressant qu'ils puissent eux-mêmes essayer et apprendre comme ça. L'objectif, c'est d'accueillir des lycéens volontaires pour leur présenter la classe préparatoire littéraire. Parce que globalement, ils en ont soit une très faible idée, soit ils ont un petit doute, ils ont déjà l'objectif de vouloir intégrer la classe prépa, et c'est l'occasion pour eux de rencontrer d'autres étudiants, de rencontrer des professeurs, de voir des cours, de rendre concret quelque chose qu'ils méconnaissent à la base. La prépa, c'est une bonne idée, mais si comme moi on n'est pas sûr, les cordées de la réussite, c'est un bon moyen de s'assurer ou de se dire non, c'est pas fait pour moi. Ça permet vraiment déjà d'avoir une vraie vision de ce qu'est la prépa. Ça donne vraiment une vision de l'intérieur, parce qu'on peut penser par exemple que c'est totalement différent du lycée ou on ne s'attend pas trop à forcément ce que c'est. Et du coup, ça permet de mieux se représenter et d'être sûr que ça nous correspond en fait.